Ne pas se relâcher trop rapidement, c'est le message martelé hier en Guyane par le comité scientifique. L'état d'urgence se poursuit jusqu'à la fin octobre, mais dès le 31 juillet, les restrictions sanitaires vont être levées progressivement. Il ne suffit pas de l'élever, il faut continuer à suivre l'évolution de la situation. Donc il faut expliquer pourquoi on l'élève et comment on va continuer à s'assurer de la suite de l'évolution. Sur le littoral, l'évolution du taux de reproduction du virus, le R0, est rassurante, mais il reste à surveiller de près dans l'ouest, comme ici à Ouala, à la frontière avec le Suriname. Les plages sont toujours interdites par arrêté préfectoral, mais certains n'ont pas attendu ces annonces pour s'affranchir des restrictions. Pour ce pêcheur, le confinement a trop duré. Ça nous pose vraiment un problème, c'est qu'il faut s'auto-alimenter. On voudrait vraiment qu'il y ait un truc spécial pour nous, pour notre existence de tous les jours ici. On n'est pas en France, on est en Guyane. C'est différent. 100 km plus loin, à Irakoubo, c'est la première fois ici qu'une campagne de dépistage est organisée. Si le test PCR en rebute plus d'un, il est pourtant essentiel pour lutter contre le virus. J'étais un peu réticente parce que quand j'ai vu l'image qui circule, comme quoi la tige rentre jusqu'à l'intérieur de, je sais pas, la tête là, ça m'a parlé un peu, mais je me suis dit non, je prends courage. Depuis début mars, près de 6745 cas ont été détectés en Guyane.